Bonjour et bienvenue dans The Bending of Isaac Serverse Plus où je viens de comprendre pourquoi des fois j'arrête l'enregistrement prématurément. Aujourd'hui, dimanche, Mega Satan, Eve, et pas de Gridbot parce que Gridbot est en PLS. Je sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc, on y va direct. Et on explique aux méchants qui ont un grand sourire BA. Pourquoi ce sont des méchants et pourquoi on va leur péter la gueule en boucle. Ok, donc je devrais activer War of Babylon, mais c'est dangereux. Est-ce que je peux me retenir encore quelques salles? Ils sont beaucoup quand même. Voilà, entre ça et le piaf, ça devrait aider un peu. Voilà. On peut pas accéder à cette bombe. C'est triste. Voilà. On peut pas accéder à la bombe. Il nous faudrait deux bombes pour avoir le coffre de pierre. Ça y est, voilà. Les spawners, enfin, si on les arrête pas, ils ne s'arrêtent jamais. Bien. Gameplay. Voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, ça va. Bon, on va pouvoir voir le boss là, à un moment. Peut-être. Ok, cool. Le layout de l'étage a l'air un peu chelou quand même. A l'air un peu chelou quand même, disais-je. J'aimerais bien ne pas... Mais arrêtez d'être... Toujours dans les angles morts, c'est chiant. Lui va exploser. Ça, c'est une troll bombe. Lui, il saute dans tous les sens. Ok, j'aimerais bien trouver un peu de vie parce que je vais pas compter le boss comme ça. Ça me semble compliqué. Il restait plein de salles qu'on n'a pas faites. Celle-là. Pas de vie. Bien. Il peut y avoir de la vie dans les caca. On n'a pas été à gauche là, je crois. Si. Ça commence difficile, hein. Mais ça va aller, peut-être. Oulala. Voilà, merci les flammes. Merci les flammes. Non, soit utile. Oh là là. Ça va être compliqué. Après le boss, on peut se le faire si c'est pas Ragman. Ça va. Si c'est Ragman, c'est plus compliqué. Si c'est... Enfin, ça pourrait être un boss facile comme ça pourrait être un boss très chiant. Est-ce qu'on avait tout fait par là? Non. Si. Ok. Je suis obligé de chercher. Parce que là, sinon, ça va être compliqué. J'aime pas quand c'est compliqué. Bon, on ramasse plein de pognon en même temps, pas mal. Pas une bombe, pas une clé. Un de ces deux trucs me rendrait beaucoup service. Allez, tout péter là. Ouais. Bon, on est bientôt à 4 minutes, hein, donc... Perdu pour perdu. Essayons de sauver les meubles. Bon bah on va essayer de déployer toute notre compétence face au boss. Ça va être intéressant. C'est faisable, hein, je veux dire, je suis pas inquiet, mais j'ai pas envie de mourir. Surtout. Allez, un petit truc. Bon, Zion. Voilà. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, il va falloir rester très loin et faire très attention à la moonstone. Et à ça aussi, mais surtout à la moonstone. Donc le combat va être un peu long. Mais on va s'en sortir.
Faut vraiment rester au centre, en fait. Si on reste au centre, on peut éviter tous ces trucs. Voilà. Hop. On peut pas prendre ce cœur, c'est triste. J'avais un peu envie de le prendre. Bien, 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 nous sommes vivants. Toujours pas de clé, ok. Ok. Oulala. Un demi-cœur, c'est peu. Un cœur, c'est mieux, toujours pas de bombe. On a une clé, cela dit, maintenant. Tiens. J'aurais peut-être pas dû prendre le risque de passer comme ça, mais... À un moment donné, il faut faire des efforts. Ok. Wout. Nope. Oulalalala, c'est... Je devrais pas stresser comme ça, mais bon. Il y a un moment... Ah, on a plus War of Babylon. C'est une mauvaise nouvelle, mais en même temps, vu le niveau de risque, on va attendre un peu avant de la réactiver, hein. Genre d'avoir un cœur gris. C'est bien les cœurs gris. Ou d'avoir une salle... Ou alors se prendre un coup comme ça. Ça marche aussi. Le piaf, voilà, aggro. Ouh. Je sens que boss rush ça va être compliqué hein, dans cette partie. Bon, les ennemis se suicident donc. Donc ça va, mais. C'est pas toujours le cas, on a deux clés, on pourrait aller dans la salle double clé. Ou pas. Voilà, merci les flammes. Ok. Eternal Flay, mon ennemi de ce jeu. Ok, tout ça c'est nul, c'est Freeze Effect il me semble. Freeze Effect, c'est pas si nul en fait. Magasin, de la vie. Est-ce qu'on peut faire un petit reroll? Ouais, on va le faire. Histoire de dire. C'était pas très bon, mais de la vie encore. Cassons-nous. J'aurais pu prendre la bombe, hein, mais... Ah. Donc le boss, à 7.34, le boss de Basement 2. C'est compliqué, hein. Mais c'est monstre, ça doit aller. Pas de danger. Je me demandais à quel moment il visait, et apparemment c'est au moment où ça tire. Pas au moment où l'animation commence. Hop. Voilà, bon, on se pose le film. Ça, ben, on va le prendre. Alors, ça, c'est cool. Et ça, c'est très, très cool. Très cool. Aussi, on y va, parce que le chrono, il est pas du tout d'accord avec ce qu'on vient de faire. Pas de clé, parfait, on va en faire ça. C'était pas utile. Vraiment pas. Vraiment pas. Bon là du coup vu qu'on a plus de cœur rouge, War of Babylon devra rester actif automatiquement tant qu'on meurt pas. C'est une théorie. Je sais pas si le cœur squelette compte. S'il compte, ben, on va faire attention de pas en choper d'autres de toute façon, donc c'est sûr. Allez. Belle, on fait quand même pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Mais ça va venir. Deux coups pour une araignée, c'est un peu triste. Surtout qu'ils font tous un spawn hein, en mourant.
Et on a un champion en plus. Fantastique. Et allez. Allez. Ça aura pas été du tout très très long. Ah là là, ok, on est dans la merde. Non, on n'est pas dans la merde, c'est bon. On aurait pu. Ok. Is like I'm walking on sunshine ne m'intéresse pas des masses. Après, si je sais ce que c'est à l'avance, ça peut être intéressant. Mais au random comme ça, hein, c'est moyen. Magasin. Vu qu'il est là. Sac aide. Excellent. Voilà, augmentation des chances de deal Louise et débile en cours. Pas de pognon, c'est pas grave. On a une bombe. On a une bombe. Est-ce que ça... Non, ça sert absolument pas dans le contexte. Donc tant pis. Ok. Est-ce que... Je crois que dans la... Je crois que la salle en L empêchait que ce soit une salle secrète, mais je me souviens. La flemme d'aller vérifier, ça m'aura coûté ma bombe. Voilà, on y arrive. On n'oublie pas de prendre la vie dès que possible. Non mais va avec tes copains toi, voilà. Mourez, mourez. Mais arrêtez de vous enfuir, bande de trucs. On va tuer les faciles d'abord. Voilà. Ensuite, le chiant, parce que lui il va faire un petit caca en mourant. Si on arrive à le toucher. Voilà. Et lui, je sais pas ce qu'il fait en mourant, je crois qu'il fait rien. Parfait. Hop. Hop. Là, par contre, il y a plus de chance. Tac, tac. On va aller chercher l'item room, bien évidemment. Parce que là, on n'est pas au top, top. 4 bombes, on peut toujours rien faire vu qu'il y a du vide. Alors si on chopait le vol, là ça m'arrangerait. C'est pas le vol. Je crois que c'est le truc que quand on se fait toucher, on fait plus mal. Par contre, je sais pas si c'est par étage ou par salle, mais vu que de toute façon, on ne se fait pas toucher volontairement, hein, on verra. On fait même pas ses dégâts pour le tuer avant qu'il s'éloigne. C'est triste. Ok. Ouais, olé. Nope, nope. On va y arriver à un moment, hein. On va finir sortir de Cave's One. Portail, 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 portail. Mouche à la con. Mouche à la con aussi. Ouais, si je pouvais la faire péter en haut, il y aurait peut-être une chance de salle secrète, mais à ce stade, c'est compliqué. Vaut mieux aller vite. Pardon, pardon. Hop, 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 hop. Allez. Tac, tout plein de trucs. La pilule, c'était un Rosy. Très bien, Forsaken. Pas très bien, ça. Ouch. Bah tu me diras, il vaut mieux faire ça parce que ça va apparaître le piaf. Et que le piaf fait des dégâts peut-être. Il est visible. What? Ouais, il m'a juste spawn dessus. No problème. Décontracté le truc. Ok, aucun de ces deux trucs n'est intéressant. Le machin, il est apparu sur moi, littéralement, pixel perfect. Bien le jeu, bien. Pas du tout unfair. Déjà qu'on est dans des situations difficiles, il faut en rajouter, hein. Le challenge, c'est la vie. Mais en fait, bon, là, je me contenterai d'un run sans challenge, là, parce qu'on est déjà bien, on a déjà une bonne dose jusque là. Ouais, karma je sais pas trop, mais j'aime autant avoir plus le poison aléatoire quoi. Allez, allez, allez. Si on chope le boss vite, alors c'est déjà mal barré vu qu'on est dans un cul-de-sac.
dépêche tout, 13 minutes. Oh, c'est scandaleux. À moins d'avoir un niveau XL après, et encore, ça va être compliqué. Ok, ils peuvent mourir les portails là. Je peux pas m'approcher à cause des chauves-souris. Et ça en crache d'autres. Ça n'aide pas. Ouais, bon, tant pis. Voilà. Ouais, c'est bien figé, toi. Je suis content de ça, ouais, j'ai bien assez de vie, je crois. Lui, on va le jouer une fois. Une autre fois. Encore une. Parfait. Si je suis pas mort, c'est bon. C'était pas une certitude. On a le temps de faire ça. Bon. Coffre gris, item de merde. Donc coffre gris, mauvaise récompense, combat long potentiellement. Ça va, on peut s'en passer. On a deux bombes. Est-ce qu'on prend une clé? Non, pas besoin. Pas besoin, pas besoin. Parfait. Et là par contre c'est un peu plus compliqué. Et le suivant. Parfait. Parfait. On est toujours un peu lent mais. Allez. Nope. Oui. Comme quoi, hein, quand l'item room est mauvaise, ben prends l'autre item room. Allez, allez. On tartine. Après, on s'est fait toucher plein de fois, mais ça nous augmente nos dégâts, donc. Ce n'est pas un problème. Par contre, je sais pas combien j'ai de vie, ça se touche, je suis sur le point de crever. J'en sais rien. Parfait, tout le portail. La chauve-souris, elle est grillée. Toi, t'es mort de la vie. Le boss soit par là. Oui! C'était inespéré. Bon, on est quand même bien à la bourre. Hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut? Gardi. Fantastique. Allez, allez, allez. Je sais pas si c'est pas des boils derrière lui parce que ça va être très chiant. Hop, 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 hop. Et voilà. Ça c'est bien, tears up. De la vie aussi, mais on ne la voit pas encore. Bon. 3 minutes pour faire 2 étages. J'aime autant vous dire que ça va être compliqué. Partez. Allez. Oh. Il ne voit pas à travers les pics. Bien, bah c'est pas là. Merci, un famille deux fois. Pratique ça. Tac, 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 tac. Si on trouve Empereur, on s'en sert tout de suite. Hein, y a pas de discussion. Ça, on va pas revenir pour la chercher malheureusement. On n'aura pas le temps. C'est un peu sur le côté, non, c'est bon. Ok, avec un peu de chance, c'est par là que ça se passe. Ça c'est cool. Ça c'est cool aussi. Piercing shot. Piercing shot pour les knights en plus, excellent. Coucou, je suis là. On va voir ça vif vite fait, salle 4. On n'a pas de piédestal disponible, mais on va prendre les trucs quand même. Je serais pas revenu pour la jouer de toute façon, parce qu'après, même si on rate boss rush, il y a Hush. Du coup, on peut pas se permettre de. C'est pas parce qu'on rate boss rush qu'on peut se permettre de traîner dans l'étage. Dans celui-là en tout cas. Ok, c'est donc pas par là quel boss. C'est une information. Ce
Comment savoir? Allez. Ok, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Tac tac. Ouais, on n'a pas le temps de faire ça, mais bon. Vu que de toute façon, honnêtement, c'est foutu. Il y a une petite chance si on chope Mama Mega dans le magasin de Star Boss Rush, donc Et ben ce sera pas le cas. Donc on va prendre ça et ça et on se casse. On va être efficace, c'est-à-dire ne pas faire une salle en plus alors qu'on n'a pas le temps. Voilà. En bas ou à droite? On va essayer à droite. Peut-être que... Alors, on fait 5,86. C'est pas énorme. Nope. Ouais, si on trouve pas Emperor et limite la Bible aussi, c'est foutu. Là. Parce que là, on n'est pas encore sorti de l'étage. Donc on va chercher des cartes. Pourquoi est-ce que j'ai pris un corps rouge? Parce que j'avais consommé mon corps rouge. Là, même si le boss est par là, c'est... Déjà on n'y est pas encore. Parce que l'étage est long. Très long. Très très long. Ok. Très 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 long. Regardez-moi ça. C'est Deps One, c'est pas Void. Si, infamie. Ouais, bah alors peut-être qu'on aura Mama Mega au prochain étage, mais. Sans ça, ça doit être compliqué. Ouais, j'ai voulu utiliser le Fireball. Au pire, on a le PF Caproc. Pas sûr. Ouais. Vous arrêtez de sauter, toi. Voilà. Mais arrête. Ça rallonge pas du tout le combat. Pour rien. Voilà. Un ennemi captif, c'est bien. Là, je peux... Cool. Bon. Voilà. Alors c'est con parce qu'on a, on a raté Boss Rush, mais bon. Non, pourtant, ouais, j'ai traîné beaucoup au premier étage. Certes. J'étais un peu obligé aussi. Bon, tant pis pour les trucs sur les côtés, on va juste. J'aurais pu optimiser mieux, mais. Tac, la carte c'est Ace of Diamonds. J'aurais pas dû prendre ce truc, c'est pas grave, Lux Up, c'est là. J'aurais pas dû prendre le. L'Eternal Heart. Ça peut être un problème. On verra. Ça pourrait nous faire perdre War of Babylon en fait. Avec le cœur squelette en même temps. Non, 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 ah, remarque. Parfait. Perdu l'Eternal Heart, tout va bien. Oh, bordel. Bordel. Mais meurs. Ah, j'ai jamais été aussi peu efficace sur lui. Allez, le magasin, Mama Mega, c'est possible. Tout est possible. Nope, 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 nope. Allons-y. Allons-y. Nope. Ah, oh, mais. Ah, bah, donne. Pourquoi tu fais ça? Tu sais que c'est pas bien. Ouh.
On va par là parce qu'il y a une salle secrète ici. Et que c'est pratique. Ou pas. Chance de deal. C'est au cas où on trouverait pas le magasin, mais j'aimerais vraiment le trouver avant d'aller dans le boss. Là, il faut qu'on les freeze pour pouvoir les tuer quoi. Scandaleux. Ok, donc le boss est là, mais vraiment si je peux choper ma Maméga, je le ferai donc. Quitte à taper Womb 1 et 2 en termes d'étage. Enfin les faire très 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 vite. Donc le magasin il est. On va espérer qu'il est pas derrière la grande salle chiante. Ta gueule. Peut-être bien fait de venir. Ok. Aïe. Oui. Donc il est derrière la grande salle chiante. De même que l'item room d'ailleurs. Pin. Super. Voilà. 1, 2, 2. Et 2, 3. Oh. Ça fait jamais de mal une canne de Gupin. On est en train de griller les chances de Hush là en fait. Surtout pour ça. Et... Allez, Nick qui marche doucement et qui va aussi vite que nos larmes. J'avoue que c'était pas cool. Soyons fous. Le run est foiré donc... autant avoir un peu de... autant s'amuser un peu. Ok, on touche plus rien. Quelle mauvaise idée! Quelle très mauvaise idée de ma part. Prends ça, il n'y a pas de reroll. Donc c'est foutu. Objectivement, là, ce sera un score de merde quoi que je fasse. On a raté Boss Rush. On a raté probablement Hush, on va probablement rater aussi. Enfin, tout ce qu'on peut, parce que là, on va mettre très longtemps à tuer Mob. Donc, j'arrive pas à tuer les Z parce que je ne veux pas les toucher. J'aurais pas dû prendre cette item. Voilà. Deuxième item de Guppy. En plus, si on devient Guppy, ça va un peu me dégoûter parce qu'on aura. Bon, on devient Guppy. Parce qu'on n'aura pas chopé. Parce qu'on va pas faire des mouches facilement. Mais bon. Allez, on a moins de 5 minutes pour faire deux étages relativement. Potentiellement courts. Là, il peut ne pas y avoir de salle secrète dedans, donc ça peut se jouer. Si on vole. Ouais, par contre, Death List, je l'ai pris pour le principe. Mais. Comment on vise, ça va être compliqué. Ça aurait pu être fait dans cette salle peut-être. Mais... D'ailleurs ça a été fait. Je suis un peu surpris. Mais c'est pas grave. Bien parce que ça fait quand même freeze effect sur l'ennemi dans son animation de mort. Ok, cette salle ne sert à rien au passage. Mais... Sérieusement, si le off-screen, ça le tue pas ou quoi, cette merde. Bien. Vous savez quoi? On va être intelligent. Ok. C'était pas là. Mais, j'étais en train de bouger, je peux pas. Bien. Disais-je... On va pas faire les salles longues comme ça parce qu'on n'arrivera jamais à les faire. Ah mais j'étais sur le quai. On n'arrivera jamais. Celle-là on va... On va la faire du coup. Putain, on y est passé trois fois pour rien quoi. Ça c'est peut-être jouable. Tu t'arrêtes. Ouais, alors les ennemis qui vont ultra vite,
On va pas pouvoir les tuer en fait. C'est un problème. Nope. Ça va pas compter. Conquest, super. Pas du tout dans la merde. Où le rebond? Bad Boons. Est-ce qu'on prend ça? Non. 27-42, on peut peut-être choper Hush. Par contre, on a toujours Docteur Fœtus. Ça n'est pas prêt de changer. Si au moins on avait. Pour le coup, il faudrait qu'on ait pas Piercing Shot. Parce que là, ça nous complique un peu le jeu. Le Boons. C'est impossible de viser. Eh, on a une telle portée que ça traverse tout l'écran à chaque fois. Quoi. Regardez. Il faut être à l'opposé et tirer quoi. C'est une blague. Et ça traverse pas les cailloux. Pas toujours. Parfait. Bon ok. On va reprendre la stratégie du rush. C'est pas là. Ouais, je pose des bombes des fois pour être sûr de choper les trucs. Range down. Fantastique. Non, alors elle, on va la tuer. Vous voyez la difficulté du truc là ? Pour choper une mouche qui ne bouge pas. Elle le rebond trop fort. Voilà. Rien à foutre. Le boss peut-être par là. Oui. Donc du coup on va être obligé de tuer tous ces mecs. Pas longtemps. Allez, on a une petite chance de faire quelque chose. On peut y arriver. Pas de deal, pas grave. Allez, on y va. Bon, on a chopé Hush. J'ai toujours la left hand. Oups. Oh, remarque, peut-être que non, c'est de la merde. C'est de la merde d'embarquer cette L-Sup, c'est encore pire que tout. L-Sup, très mauvais dans le contexte. Un bon moyen de perdre War of Babylon par accident. Est-ce que ça m'enlève le cœur squelette ça? Parce que si ça le fait, c'est cool. Non, ça me le remplit. Génial. Quel enchaînement de merde. Ça fait quoi ça? Ouais, remarque c'est bien parce que les larmes vont à une distance contrôlée. C'est peut-être bien. C'est peut-être le truc qui va nous sauver. Mais peut-être pas. Parce que là on fait moins mal du coup, on fait 6,86 avec 89 avec des bombes quoi. Bon, on s'en fout, on a déjà trouvé le front space. Datsuki. Honnêtement, je me demande si Datsuki marcherait pas chez Hush pour ouvrir les salles pour sortir. Mais on va prendre ça quand même. Poison permanent, c'est bien. Là, il n'y a rien d'intéressant sauf si la carte est bien. Non. Bon, et eh bien. Allons-y. Bah c'est rigolo. La projection comme ça.
veut pas souvent des mouches, même si on est guppy, ce qui est triste. Il faut que la bombe touche en fait, c'est pas l'explosion qui doit toucher. C'est fun. C'est-à-dire que sur Hush, on pourra en faire un peu, je pense. Nope. T'en vas, loin. Voilà. Bon, après, les mouches, on les fait une par une. Hein. Guppy, Guppy, Docteur Fetus, c'est pas le gros kiff. Je suis bien content non plus de pas voir ce boss rush comme ça en fait. Après mûre réflexion. Eh, hey, j'ai 4 mouches hein, quand même. Après l'avantage c'est que Hush est tellement gros que les sous-munitions restent coincées dedans. Ça me va. Le cut. Pas sûr. Ouh putain. Elle reste coincée dans une certaine mesure. Allez. Allez. On peut le faire. Et arrête de faire tes ouvertures là-haut, c'est chiant. Hush, mon ami, sois coopératif. Tu te rends bien compte que j'ai des difficultés aujourd'hui. M'aider un peu. C'est mieux que ça. En fait, tant qu'il fait pas les rayons dans le ciel, ça me va. Des ZAD, bien. Voilà, le poison marche, le piaf marche. Je devrais essayer de mettre le piaf sur Hush d'ailleurs. Ouh, tir de continuum. Ouh, tir de continuum. Bon, le père fait dessus, hein, donc tant qu'il continue, ça va. C'est arrêté. Zut. Tant qu'il continue, ça va. Si on s'arrêtait. Damned. Mon plan a échoué. Ah ouais, ça passe. Ça s'est pas du tout passé parce que j'ai réussi à esquiver correctement. C'est bien, c'est passé parce que ça passait. C'est pas grave. Ok, ben on va se mettre là et on va plus bouger hein. Dit-il en bougeant. Mais c'était contrôlé là. Peut-être. Alors j'ai pas vu si un famille a proc quelquefois, mais on va supposer que oui vu que je me suis pas touché trop souvent. Voilà. Et je crois que je me suis touché genre une fois. Quelles étaient les chances? C'est fou, hein. Bon, bah du coup, on passe Hush, hein, sans War of Babylon. Bon, on vole quand même. Ah, 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 ah. Hop. Lumière. Que la lumière soit, et on a raté Deathlist à cause de cheval. Ok, salle secrète, tout va bien. Le HP up, on s'en fout. Les bombes, on va pas les utiliser. Oh, j'ai peut-être fait une connerie là. On verra. j'ai peut-être donné à mes larmes un petit peu trop de peps. Ok. Ouais, ok. Alors, les deux qui boulent dans les différents, dans des axes différents, ça va pas être possible. Et je viens de gâcher un cœur. On a quart batterie, donc le bouquin nous redonne les cœurs deux par deux en fait. Ah, comme je joue mal. Mais c'est des ennemis qui sont intouchables avec ce qu'on a là. J'arrive plus facilement à les toucher forcément avec des... avec les cœurs qui explosent quoi. Ok. Ok, je viens de gâcher encore de la vie mais c'est parce que j'étais pas sûr ce qui se passait à l'écran. Boum. Voilà, on va rester loin hein. Tant que tout le monde meurt. Merci.
c'était l'autre à gauche qu'il aurait fallu tuer en premier. Écoutez, je fais ça à l'instinct. L'instinct, il marche pas toujours. La méga Satan, ça va être rigolo. Hein. Ouh là là. Ok, donc lui, je devrais arriver à le tuer en premier. Il était tout seul. Voilà, sur les ennemis tout seul, fixer un ordre de passage est envisageable. Ah, ça aurait été bien un deal là pour se débarrasser de ce corps rouge qui tâche. Quel con. J'aurais pas dû faire ça. Bordel, descend. Les machins sur les côtés ils tirent même quand la salle est finie et ça c'est pas cool. Mais après on est dans l'antichambre de l'enfer, alors les trucs pas cool, peut-être y en avoir beaucoup. Ouais, faut que j'arrête de me prendre des coups comme ça. Là je perds tout le peu de score que j'avais, je suis en train de le faire exploser bêtement quoi. Voilà, on va prendre ça, ça fait pas mal. On a des poison bombs, mais on avait déjà un peu avant en fait. Depuis un petit moment, on a des poison bombs. Là, ce qu'il me faudrait, c'est les butt bombs. Ça rendrait le run beaucoup plus. Je viens peut-être de tuer le run. Hein. Mais c'est pas grave. Là, si j'avais des butt bombs, ce serait très très sale. Mais je les ai pas. Ce qui pose un problème. Bien évidemment. Si je les avais, ce serait bien. Je les ai pas. Ouh là. Ouais, alors là, c'est compliqué. Super, on va pas prendre cet item. C'est parce qu'il sert à rien. Hop là. Oh, ils sont fermés eux. Gentil. Bon, le boss, qui ça va être? Alors déjà, je vais chercher la salle secrète. Est-ce que je peux faire ça? La voilà. Ok, on va pas... Ah merde. Boop. Faudra que je trouve un moyen... Oula, j'avais oublié que je faisais ça. Faudra que je trouve un moyen de merger la musique quand je fais des coupures comme ça. Bon, la coupure là, je l'ai pas encore faite vu que je suis en train d'enregistrer. Mais globalement, je vais la faire. Bon, en tout cas, on est efficace. Pète. Merci. On n'a pas des butt bombes, mais on a des idées. Mais on fait mal. Très mal. On n'a toujours pas War of Babylon, mais on fait mal quand même. Hop. Hop. J'aurais bien aimé un petit deal with le deal. Non. On a déjà 9 vies. C'est peut-être suffisant pour le besoin actuel. Ouh là là. Alors là par contre, typiquement c'est les ennemis chiants parce qu'ils sont pas dehors assez longtemps pour que les bombes leur pètent dessus, donc il va falloir improviser. Genre là je vais faire un truc, je vais passer comme ça et je vais tirer en avance. Et ça marche. Peut-être. Peut-être le piaf aussi qui leur fait quelque chose. Ok, et deux, trois. Non, et deux. Et ils sautent. Eux, quand ils sautent, ils sont invulnérables. S'ils touchent pas le sol, on peut pas les tuer, c'est fou. Hein. Alors, est-ce que je garde la left hand pour essayer d'avoir un deal with the devil? Allez, pourquoi pas. Que je pourrais la dropper. Oh non, amnésia. En même temps, on en prenait déjà pas. Ok, alors j'en ai tué un.
Je sais pas lequel. Je tue des trucs, je sais pas lesquels. Ça meurt, hein, mais... Ok, alors là, c'est la merde, c'est la merde, c'est... Ouais, mais il pleut des araignées sur ma gueule, qu'est-ce que c'est ça? Là, littéralement, il est tombé 20 araignées sur ma position. Chef, je fais quoi dans ces conditions? Tu pries? Tu pries, Billy? Tu pries? Mais monsieur, je suis pas croyant. Ça change pas grand chose aujourd'hui, Billy. Tu vas quand même crever. Boum. Les mouches font quand même le boulot. On en fait pas énormément parce qu'on est pas. Parce qu'on tire pas beaucoup de larmes. Mais par contre, ouch. Ça a pété vite celle-là. Par contre, les mouches, elles tapent, hein. Font des dégâts, je veux dire. Ah, et les bombes. Oh, oh. Ça one shot. Là, on va trouver l'autre salle secrète. Est-ce que tout le monde est mort? Non. On va juste continuer. Faut faire super attention parce qu'on a quand même Kirstein. Donc, tant qu'on charge, on peut avoir un problème. Qu'est-ce que ça peut me donner d'utile, ça? Pas ça. Vous savez quoi? Node Leaf! Unbreakable. 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 Allez, sautez, saute, 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 saute. Meurs. On meurt aussi. Hop, hop. Bah. Voilà. Non mais où? Il était pas mort en plus. Qu'est-ce que ça fait ça? Si je fais ça. Ça me donne un coffre. C'est classe. Je savais pas du tout. Bad trip. Donc la chauvelle donne un coffre quand on l'utilise sur ses trucs une fois qu'on a des... Si on n'a pas à débloquer le personnage caché. Non mais, va où il faut toi, voilà, là, c'est bien, parfait. L-sub, non. On va arrêter avec L-sub. Par contre, on va prendre Revenge Dome, parce que ça peut être utile. La 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 la. Ouais, j'ai peur qu'on puisse pas se débarrasser de notre... De notre cœur rouge en trop dans l'immédiat. Strength, c'est exactement l'inverse de ce qu'il me faut, mais presque. Non, c'est pas exactement. Strength, ça m'enlèverait pas War of Babylon si je l'avais déjà dans une salle. Donc, je vais le garder. Aïe, 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 aïe. J'ai touché un truc en étant en chargé. C'est pas bon. Ok, toi tu vas pas être chiant. Putain, les explosions elles sont super larges en fait, c'est pour ça que je touche des trucs depuis tout à l'heure. Parce qu'elles sont... elles ont un rayon de folie. Peut-être parce qu'on a pris Mega Blast. Enfin, phase bombe. Ta-ta-ta. Allez, je voudrais retrouver la salle pour vraiment finir l'étage. La salle où j'ai été TP. Celle-là, apparemment. Parce que le truc, c'est qu'on met très longtemps à charger, en fait. Donc c'est assez gênant. Bien, donc on a fait toute cette branche. Je crois. On peut retomber sur... le spawn par... Quoi? La saucisse. Je m'en serais bien passé dessus là. Quoique, peut-être que non, je m'en serais bien passé. On a eu les deux salles secrètes. Ça ne coûte rien. Bon, le spawn. Mmh.
le spawn, si je me trompe pas, bien. On va pas charger tant qu'il bouge, voilà. Je veux dire, on met tellement le temps à charger que... faut être sûr de pas se faire toucher. Un de moins. Et... ouais, les trois bombes dans la gueule, c'est pas cool. Meurs. Ça c'est cool, ça c'est cool. Je sais pas comment il peut rester de sale dans cet étage. Il y a un moment, le jeu il se traite en mettre des sales. Non, il aurait pas fait des spawns, j'aurais encore eu un boost ou un item gratuit. Voilà. Bien dans le coin, bien le coin. Sérieux, je pourrais pas avoir un TP dans le deal with the devil juste histoire de pas avoir la ridicule face à Mega Satan quoi. Je demande pas grand chose. Allez, le spawn. Et il y avait qu'une salle par là. Ce qui est modeste. Et donc, Mega Satan, allons-y. Tant pis, on sera pas War of Babylon et... c'est pas grave. Ok. Aïe. Aïe 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 aïe. Encore un tour. C'est bien si on sait où ils vont tomber, c'est pratique. Ou toi par contre. Ah lui par contre on va avoir du mal parce que les bombes qu'on répète elles pètent toutes en même temps, les miennes. Et les mouches. Ouch. M'en fous, je suis full life. Dange, ça ça devrait aller bien par contre. Pour peu qu'on le touche. Mais ils vont trop vite eux. C'est pas chic. Bonjour Mega Satan. Oh. on fait quand même très très mal, je trouve. L'air de rien. Faut juste pas se faire TP comme un gros sac. Bon, ça devrait aller. Comment il... ok, il m'a bouffé mes bombes. Quel enfoiré. Wouhou! Bon, il est 14h, donc le classement n'est pas représentatif. Marche toujours pas, Gridbot? Non. Bah pour un run où on a raté Boss Rush, c'est un bon score, hein. 39 000, bon, c'est pas les 60 000 qu'on pourrait avoir, mais bon... 39 000, quoi. Allez, va falloir que je fasse du montage. Mais pas beaucoup. Zou!